34 et aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai galéré. Est-ce que quelqu'un a senti que j'étais pas bien? J'étais vraiment, j'étais perdue. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ouverture et je pense littéralement que la dernière doit dater d'il y a un an à peu près. À savoir qu'en fait moi j'ai toujours des trucs d'ouverture à faire, tu vois. Mais c'est juste que bah, j'ai d'autres idées, des idées que je préfère mettre en avant, etc. Bref. C'est un peu relégué et c'est le genre de truc que je cale quand je sais pas trop quoi faire d'autre, j'avoue. Et du coup, là, on va se faire une ouverture Playmobil. Habituellement, j'en ai 3, là j'en ai que 2 pour la simple et bonne raison que je suis une pignouf, voilà, tout simplement. Ce sont des Playmobil, c'est la série 13 et je les ai achetés à Noz à 1,70€ l'unité. Au lieu de, je crois que ça coûte 4 ou 5 euros quand même, plein pot. Donc je vais pas vous mentir que la radine en moi était extrêmement ravie de ne pas payer ceci plein pot. Hein, parce que je vais pas vous cacher que les vidéos ouvertures ne rentabilisent pas les ouvertures du tout. Donc je vous avoue que là je suis très contente. Normalement je filme avec 2 caméras. Le truc c'est que mon autre caméra, vous le savez maintenant hein, sans doute, est cassée et que comme j'ai très peur du prix que va me demander la réparation, j'y vais pas. Donc je reste dans le déni un peu comme ça. Ce qui fait que là on va tourner, enfin on va faire ça qu'avec une seule caméra, hein, comme au bon vieux temps. Et puis voilà, j'avais vraiment envie de vous montrer ma tête parce que je trouve que dans les ouvertures, ce qui est plus drôle, tu vois, des fois c'est pas la découverte des personnages, tu vois. C'est la tête que fait la personne, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va tourner avec une seule caméra, on va se débrouiller. Alors je vais récupérer le papier, le papelito, pour savoir un peu ce que nous pouvons avoir. Alors il faut savoir que, comme vous pouvez le constater ici, rose c'est la série des filles, bleu c'est la série des garçons. J'ai un bleu d'ailleurs que je peux vous montrer. Hop, je l'avais eu en double. Et donc voilà, bleu c'est les garçons. Garçons qui ont les pirates, les trucs avec des épées, des armes. Et les filles on a le droit à tout ce qui est petite robe et trucs mignons. Donc Playmobil, on est toujours resté en fait dans la partie genrée. On n'a pas avancé sur ça. Bon je les achète, est-ce que je peux dire quelque chose? Non, mais voilà, à chaque fois je veux quand même le signaler parce que ça me saoule à chaque fois. Donc je vous le signale. Nous avons tout ça. Alors je vais vous dire un peu lesquelles m'intéressent. Oh putain, il y en a une, elle est trop badass. Ok, il y en a 2 qui sont badass, je les veux. Ok, je vais vous montrer un peu ce que je veux. Alors, premier rang ici présent. Focus. Moi je veux l'archère. Est-ce qu'elle est pas badass de ouf? Franchement, oh, moi j'adore. Hein. Bon après le reste ça va. Bon je suis pas très fan du petit voile qu'ils ont mis autour de l'espèce de jasmine. Hein, puisqu'elle a une lampe magique. Après c'est du classico. Au milieu, j'avoue que ces deux-là me placent pas mal. Une préférence pour la sorcière quand même. Parce que j'aime bien les j'aime bien le petit côté qu'ils lui ont donné là. Celle-là elle passe encore, ça passe. Et là au fond c'est un peu la partie que je n'ai pas envie d'avoir, je ne vais pas vous mentir, parce que elles ont l'air toutes un peu poucraves. Voilà, elles ont toutes l'air un peu pas ouf. Donc j'ai pas envie d'avoir la deuxième ligne. Donc s'il vous plaît Seigneur Jésus Christ, faites en sorte s'il vous plaît que j'ai au moins une meuf badass quoi. Donc, oh je crois que j'ai le bas, je crois que c'est une robe. J'ai une robe comme ça. Je me souviens pas qu'il y en a une qui a une robe comme ça. Oh non, c'est une espèce de Cléopâtre, je crois. Parce qu'elle a les cheveux roses à la Cléopâtre. Attendez. Oh putain, c'est une Cléopâtre. Attendez, une Cléopâtre là-dedans? Bah non. Attendez. Mais il y a un bug dans la matrice. Série 13? Ils m'ont montré la série 11 là? Attendez, je sais pas si vous... Ah, je suis en panique là! Série 11? Mais j'ai l'impression qu'on m'a trahi quoi. Mais enfin, ils ont mis le mauvais papier dans le mauvais truc. Mais ouais, mais je... Ah! En fait là, je suis trop contente d'avoir des personnages, mais je pouvais pas les avoir. Parce que là, c'est une série 13 que j'ai. Vas-y, comment j'ai la haine. Attendez, je vais l'ouvrir l'autre paquet. Vérifier s'ils ont fait le même la même erreur sur l'autre aussi. Mais oui, série 11. Mais enfin. Oh, je suis choquée.
choquée et déçue. Bon, du coup, on va essayer. Je vais enlever le papier. On va essayer de voir du coup là, hein, finalement, ce qu'on aurait pu avoir. Vous voyez, on pouvait avoir tout ça. Donc on moi, j'aime bien parce qu'il y a une espèce de pin-up là. Et la pin-up, il y a une cobaye aussi qui aurait pu être très sympathique. Ah bah oui, il y a la Cléopâtre au milieu. Après les badass, oh j'avoue que la pom-pom girl elle m'aurait grave tenté la vérité. Il y a une meuf de French Cancan, il y a une pompière aussi. Une pompier? Je crois que ça se féminise pas. Il y a une veto, il y avait plein de trucs et moi j'ai oublié au pâtre quoi. Je ne vais pas vous mentir que je suis un peu déçue quand même. Mais qu'est-ce que c'est que cette ouverture? Vous avez vu qu'avec moi, il y a quand même, il y a toujours une erreur. Tu vois, il y a toujours un truc qui fait que ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Est-ce que vous croyez que la vie, elle m'en veut? Parce que c'est toujours comme ça quand même. Enfin, on en est conscient. Hein? Non, parce que c'est ouf. Bon, du coup, je vais enlever mon rooibos qui est dans ma tasse, là. Parce que quitte à ce que cette vidéo ne ressemble à rien, autant y aller jusqu'au bout, hein. Voilà. Je suis vénère, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais on m'a... J'ai l'impression qu'on m'a trahi, mais genre vraiment, genre il y a quelqu'un qui est venu et qui a trucidé la moitié de ma famille là. Qu'est-ce que c'est que ça enfin? La Playmobil là? Oh putain. Bah non, c'est pas normal, merde. Je sais que j'ai payé moins cher, mais c'est pas une raison pour me fournir un service de moins bonne qualité. Bon, vous savez à quel point c'est toujours galère de mettre les Playmobil. Moi, tu sais que la moitié de mes trucs ils sont pas mis. Mais oui, je voulais que ce soit un de mes potes qui s'en occupe, mais ben c'est celui avec qui je pars en Thaïlande et il a déménagé, donc ça va être un peu compliqué qu'il fasse l'homme fort et qu'il arrive à s'occuper. Oh, j'ai réussi, Cléopâtre. Bon après ça va, franchement Cléopâtre elle est loin d'être dégueu, elle est même plutôt cool je trouve. Je vais vous montrer tous ces petits accessoires parce qu'en plus ils m'ont mis des jolis accessoires quand même. Donc bon, en vrai ça va, la chieuse qui est en moi est ça va, satisfaite, puis bon ce Cléopâtre quoi, est quand même badass. Donc ça peut passer pour cette fois. Si j'ai rien d'autre de bloquer là-dedans. Donc voici à quoi ressemble mon petit personnage, comme vous pouvez le voir. Franchement elle est badass, regardez avec le petit spectre plumeau là, la petite bracelet. Ouais, franchement elle est jolie, elle est très très jolie je trouve. Donc ça va, franchement cette la série 11, non la série 13 du coup. Eh oui, bah, je m'emmène les persos avec tout ça. Cette série 13 est plutôt pas mal je trouve en termes de personnages. On a des trucs assez divers, pitié me mettez pas la skieuse. Je pense que c'est la seule que j'ai pas envie d'avoir avec la fée. Pitié, pas la skieuse ni la fée. Tout le reste m'intéresse. Et puis bah Cléopâtre, du coup. Ah! C'est une autre Cléopâtre! Mais putain, mais pourquoi j'ai toujours tout en double? Mais c'est fou ça! Et moi j'en ai marre! Cette vidéo n'a aucun sens! Mais c'est hallucinant! Mais clairement, je pense qu'en fait, tu vois, on m'a fait passer un message, on m'a dit arrête de faire des ouvertures sur YouTube, tu es mauvaise, tu es nulle. Oui, c'est bon, j'ai compris. Hey, je vais arrêter. Non, j'avoue, il m'en reste encore des trucs. Il me reste encore des trucs Disney. Donc. Je referai des Disney du coup, hein, parce que de toute façon, c'est acheté, donc ça va être utilisé, mais. Voilà, j'ai un peu des boules, j'ai un peu la haine. Voyez pourquoi la vie c'est pas simple avec moi, parce que c'est jamais, c'est toujours comme ça en fait. Oh non merde, je suis deg. Bon bah, écoutez, tant pis hein. En tout cas bah, j'espère que cette quand même ouverture de la muerte vous aura quand même plu hein. Je vais vous laisser là du coup. Bon, on espère que la prochaine fois se passe mieux, voilà. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu, la vidéo de l'échec, mais voyez, voilà, ça arrive très régulièrement avec moi, donc paniquez pas pour votre vie, quoi.
Moi je vais vous laisser là, merci à tous ceux qui passent par YouTube, merci à tous ceux qui ont acheté Illusion, qui ont laissé un petit commentaire sur Amazon. Vraiment merci du fond du cœur parce que c'est ça qui m'aide, hein. Les commentaires sur Amazon c'est comme les commentaires sur YouTube, ça améliore le référencement et c'est toujours très bon pour les algorithmes. Donc du coup, merci pour tout, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, bref, le blabla habituel. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous de gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao.